fine. Thank you. Happy birthday, Brother Branham. Here's something that I'll give you. Thank you. Amen. Brother Duplessis, I'd like to have you help us here. This is a little surprise tonight for all of us. We didn't know that it was Brother Branham's birthday. C'est une petite surprise et nous ne savions pas que c'était l'anniversaire de Frère Branham. Et nous lui présentons ce tableau de la tête de Christ. We feel that God has saved this for several years now to be presented tonight. Et nous ressentons que le Seigneur a gardé ceci pour pouvoir le présenter à Frère Branham aujourd'hui. L'artiste est inconnu. Et nous sentons que c'est un don du Seigneur pour vous, Frère Branham. Finally, the seventh was able to paint this vision that this particular one had of the Lord. The lady who had it, we understand, is dead today, tonight, and her son has disappeared. The original is gone, but we are glad to present this picture to you tonight, Brother Branham. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. Que le Seigneur vous bénisse. He is my Lord. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Et que je puisse, si je vis assez longtemps, pour voir un autre anniversaire ou quel que soit le nombre d'anniversaires que j'aurai au cours des années futures dans ma vie, j'aimerais consacrer chaque minute de mon temps à son service. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Merci pour le petit chant d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Je suis très content de recevoir ce tableau. Et aujourd'hui, mon cher ami, le chapelain ou l'aumônier Statscliffe et sa famille étaient dans ma chambre et m'ont remis de belles choses. Et mon fils, mon petit Joseph, m'a apporté la cravate et mes fillettes, un fixe cravate. Et ma femme a fait une proposition. Elle a dit qu'il fallait que je me procure un postiche si je peux le porter. Ainsi, j'ai pensé que peut-être, je lui ai dit, toi, achète-le et tu verras si oui ou non je vais le porter. Et ça a été un grand jour. Naturellement, tout le monde sait que j'ai dépassé 25 ans maintenant. Je suis né en 1909, ainsi quiconque sait calculer sait que j'ai dépassé 25 ans. Eh bien, tout a été merveilleux, surtout ces 30 années que j'ai passées au service de mon Seigneur. S'il y a une chose que je regrette pour le passé, et les années passées, c'est le fait que je n'ai pas passé les autres 20 ans à le servir. Je suis très heureux d'avoir été un chrétien durant ces années. Et je compte sur Dieu pour qu'il m'aide pendant que je continue mon voyage sur les sentiers de la vie, que Dieu me conduise par son esprit et qu'il m'accorde de faire quelque chose pour montrer mon appréciation pour la cause pour laquelle je suis né sur la terre. Ce matin, avant de me lever, je parlais à ma femme et je lui ai dit, chérie, il ne semble pas possible que je sois si âgé. Et j'ai dit, on dirait que les années se sont écoulées très vite. Et j'ai dit, je suis né dans ce monde dans un but. Et je crois que c'est pour servir le Seigneur, et c'est ça le désir de mon cœur. Ce que je vous demanderai, c'est de prier pour moi ce soir avant de vous coucher, pour que Dieu me garde humble de cœur, qu'il me vienne en aide et qu'il me bénisse de sorte que je sois une bénédiction pour vous. J'ai trouvé que la plus grande bénédiction dans la vie, c'est le fait de donner quelque chose, pas de recevoir, mais de donner. Ce que vous faites pour les autres, c'est ce qui a tant de signification. Ce soir, on va commencer à prier pour les malades. Le frère Duplessis vient de nous apporter un merveilleux message. J'étais juste derrière l'estrade, là, derrière la plateforme, en train d'écouter. Et j'apprécie certainement ce message, l'exaltation de Jésus-Christ. Et ce soir, je désire commencer la nouvelle phase de mon ministère ici, celle qui consiste à prier pour les malades. Beaucoup d'entre vous, peut-être, qui êtes ici et qui avez été dans mes réunions depuis le début,
Vous savez ce qui a été dit au commencement? Comment je prenais la main et que j'imposerais les mains aux gens et que je connaîtrais leur maladie. Et puis, il m'a dit que si j'étais humble et sincère, il m'arriverait de connaître le secret même de leur cœur. Et cela s'est accompli. Cela s'est produit à travers le monde. L'ange du Seigneur s'est constamment laissé photographier. On a fait examiner les photos par le meilleur expert en empreintes digitales et tout qu'il y a au monde, à notre connaissance, pour voir s'il y avait une retouche ou quelque chose de truqué ou une photo en double exposition. Il a été chaque fois prouvé qu'il était là. Cela a commencé il y a des années. Et cela ne veut pas dire que mon ministère, du fait qu'il est un peu particulier, un peu singulier par rapport à ce que serait la moyenne, je reste toujours votre frère à vous tous au service de Christ. Et je suis heureux parce qu'il me laisse le servir. Peut-être vu que je n'ai pas d'instruction pour être quelqu'un, c'est pour cette raison qu'il m'a donné ces dons pour que je puisse travailler pour lui. Il y a environ 4 ans, j'étais ici en Californie. Juste avant d'arriver ici, j'avais tenu une série de réunions à Phoenix. Et là, beaucoup de gens se plaignaient de ce que dans mes réunions, ils disaient, « Eh bien, frère Oral Roberts, il prie pour 50 personnes alors que vous priez pour 5. » J'ai dit, « C'est vrai. » Frère Oral Roberts a une commission de la part du Seigneur et il prie pour les gens selon la manière que Dieu lui dit de le faire. Je dois faire la même chose. Et puis, j'ai mis cela dans la prière et j'ai prié pour cela pendant un bon moment. On se plaignait tout le temps qu'il n'y avait pas assez de gens qui passent à l'estrade. Eh bien, effectivement, dans un sens, cela est vrai. Eh bien, on a enseigné aux Américains la coutume juive de l'imposition des mains. Ce n'est pas une coutume des gentils, les Juifs. Souvenez-vous, Jaïr a dit, « Viens imposer tes mains à ma fille et elle vivra. » Mais le gentil, lui, a dit, « Je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Prenons simplement la parole. » Et mon serviteur vivra. Voilà la différence. Mon ministère ne consiste pas à imposer les mains aux malades. Il consiste à faire, par un don divin, à amener la présence du Seigneur Jésus-Christ par un discernement de l'esprit, ce que la Bible appelle le don de connaissance. Et en faisant cela fait qu'il soit manifesté devant les gens, et alors ceux-ci le reçoivent comme leur guérisseur. Ça règle la question. Je n'ai pas de magazine pour attirer l'attention et publier les grands témoignages des gens. Mais vous seriez surpris par ce qui se produit après une des réunions. Des milliers, nous aurions pu apporter assez de témoignages de la Jamaïque il y a quelques semaines. Frère Argenbright, il est peut-être ici, je pense qu'il vient ici régulièrement. Et Sœur Argenbright et les hommes d'affaires chrétiens, si nous prenions les photographies de ces aveugles, de ces sourds, des muets, en fauteuil roulant, des infirmes, nous pourrions remplir des magazines pendant des semaines et des semaines à venir. Mais je dis toujours aux gens, ne dites rien à ce sujet, allez seulement dire à quelqu'un que le Seigneur a été bon envers vous et gardez cela pour vous. Je n'aime pas que quelqu'un dise, « Frère Branham fait ceci ou cela. » Pour commencer, je n'y étais pour rien. Et puisque je ne touche même pas la personne, vous comprenez alors certainement que je n'y étais pour rien. C'est le Seigneur qui fait cela. Toutefois, j'ai demandé au Seigneur, concernant mes réunions en Amérique, de me donner la capacité de prier pour plus de personnes, parce que vous êtes mes amis. Vous avez été racheté par le sang de Christ et je veux faire tout ce que je peux pour vous aider. Eh bien, vous entendez frère Roberts dire « toucher quelque chose comme point de contact ». Eh bien, je commence à me dire « que se passerait-il si je me tenais là et que j'ai mon petit enfant ou que celui-ci soit malade ou autre chose et que je vois cet esprit agir sur une personne ? Ça pourrait être ma foi, il faut que cette personne m'impose les mains, que cette personne le fasse. » Et j'ai prié, et frère Lindsay et plusieurs hommes me disaient, « Pourquoi n'exercez-vous pas le discernement pour 2 ou 3 personnes pour ensuite continuer de prendre toute la ligne de prière ?» Je ne suis jamais arrivé à faire cela. Toutes les fois que j'ai commencé, aussitôt que cela me frappait, c'est la raison pour laquelle je devenais très faible. On devait m'aider à quitter l'estrade.
C'était parce qu'après deux ou trois visions, j'étais très épuisé, je savais à peine où je me trouvais. Je suis sûr que vous, les théologiens, vous pouvez comprendre. Lorsqu'une petite femme a touché le Seigneur Jésus, il a senti la force sortir de lui. Quand Daniel a une vision et qu'il a eu l'esprit troublé des semaines et des semaines, nous devrions certainement savoir ce qui se passe. Et comme l'a dit Frère Duplessis il y a quelque temps, l'unique raison, je pense, pour laquelle Dieu laisse ceci continuer comme cela, c'est à cause de sa promesse. Les œuvres que je fais, les choses que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez davantage parce que je m'en vais au Père. C'est sa divine promesse. Une vision ne guérit jamais quelqu'un. Une vision ne fait qu'amener la réalité de la présence d'un être surnaturel. Et alors, ce faisant, elle donne la foi aux gens. À Phoenix, en Arizona, il y a quelque temps, j'étais là dans le désert, Frère Moore, Frère Brown et moi-même, et j'ai eu une vision. Et le Seigneur Jésus m'a dit dans cette vision, ou la personne qui m'a parlé, qui, je crois, était un ange, et j'étais là derrière un rocher en train de prier, et il a dit, « Quand tu verras ceci arriver, alors, ton ministère va changer. » Et j'ai regardé, et voici qu'une femme venait à l'estrade, portant un tout petit bébé qui se mourait, et le Seigneur l'a guéri, et la femme avait un beau teint clair, des yeux sombres, des cheveux courts, mi-longs, et elle portait un complet brun. Le bébé était enveloppé dans une petite couverture, et il m'a dit, « Tu reconnaîtras cela à partir de ceci. » Et un homme chauve de petite taille, un homme mince, de grande taille, se tenait à mes côtés. J'ai attendu cela pendant 4 ans. Combien m'ont entendu faire cette déclaration que ça devait arriver? Levez la main. Oh, des centaines de gens ici au temple ce soir, ont entendu cette déclaration. J'ai attendu ça pendant 4 ans dans les États de la Nouvelle-Angleterre. Au printemps dernier, une femme est venue à l'estrade correspondant presque à la description. Et le frère Gaud, qui est là, l'un des jeunes gens qui font les bandes avec moi, après le service, il a dit, « N'était-ce pas ça, la femme en question ?» J'ai dit, « Non, frère Jean, ce n'était pas elle. Cette femme en question doit être plutôt de petite taille. » Et cette femme-là était de grande taille. Elle avait des cheveux bruns et l'autre femme aura des cheveux noirs. Le bébé était assez grand alors que l'autre était tout petit. Il ne s'agissait pas de cette femme, quand bien même elle portait un complet brun, mais ce n'était pas elle. Et beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ce grand désastre à Chicago. Je crois une école catholique qui avait été incendiée et beaucoup d'enfants. Les hommes d'affaires chrétiens et les hommes d'affaires du plein évangile ont tenu un service commémoratif à ce même dépôt d'armes où l'on avait prêché à l'occasion des funérailles de ses enfants. Et on m'avait appelé pour être leur orateur cet après-midi-là et pour prier. À la fin du service, j'ai prié pour les gens et je suis entré dans ma chambre pour retourner ce soir-là prier pour les malades. Et Rosella Griffin, l'une des alcooliques les plus invétérées que Chicago ait jamais connue, a été guérie dans l'une de mes réunions. Le Seigneur lui a révélé qui elle était et un trafiquant de drogue. Combien ont entendu parler de Rosella Griffin? Bien sûr. Regardez, les mains partout. L'une des plus grandes alcooliques. Les alcooliques anonymes l'avaient abandonnée. Ensuite, une autre fille, la partenaire de danse de Fred Astaire, faisait avec elle le trafic de drogue. Et elles ont été citées et son père s'est levé pour protester. Il a dit, « Un instant, papa, cet homme a raison. » Et ainsi, à la fin du service, Rosella a vu une dame en pleurs traverser le bâtiment avec un petit bébé. Elle a dit, « J'espérais vraiment que Frère Branham arriverait à prier pour mon bébé. » Elle a dit, « Il ne pourra pas vivre. Plusieurs médecins célèbres de cette ville ont abandonné mon bébé. » Et je me disais qu'assurément, il viendrait prendre les bébés dans ses bras et qu'il prierait pour lui. Eh bien, elle dit, « Il priera pour les malades ce soir. » Elle a dit, « Je ne saurais pas rester, ma chère, parce que ce soir, mon mari est resté là avec 2 autres enfants et il faut que je retourne. » Elle a dit, « Mon pasteur de l'Église de l'Alliance suédoise, eh bien, ils connaissaient la parole, ils ne sont pas très spirituels, mais ils savent où ils se tiennent. » Et ainsi, il a dit, « Si tout le monde a abandonné votre bébé, pourquoi ne l'amenez-vous pas chez Frère Branham, mais priez pour lui. Je crois que Dieu va guérir le bébé. »
C'était vraiment élégant de la part de l'Alliance suédoise. Et ils ont amené le bébé, et ainsi la dame a dit, « Eh bien, je ne peux pas rester. » Et l'un des huissiers a dit, « Je vais porter votre bébé, madame, si vous voulez aller téléphoner à votre mari. » Elle a téléphoné à son mari, et il a dit, « Vas-y, reste, chérie, je prendrai soin des enfants. » Alors le jeune garçon se tiendra à la porte, il a dit, « Tenez-vous juste là, quand il viendra le soir, prenez une carte de prière, c'est la seule chose à faire. Vous devrez bien sûr tenter votre chance pour que vous soyez appelé dans la ligne de prière. » Rosella s'est tenue avec cette dame à la porte et le bébé n'arrivait plus à pleurer. Chaque brin de nourriture qui entrait dans sa bouche était aussitôt renvoyé. On ne pouvait même plus en faire entrer par force, on le nourrissait par les veines, il mourait tout simplement. Il avait été abandonné par 5 ou 7 médecins. Et le petit pouvait en aucune manière survivre encore quelques jours. Il n'arrivait même plus à pleurer. Et quand mon fils Billy est entré, Rosella a demandé, « Billy, vas-tu distribuer des cartes ?» Il a dit, « Oui. » « Eh bien, donne-en une à cette dame. » Il a répondu, « Pas avant que je n'arrive devant l'auditoire et que je les ai mélangées. » Ainsi, il les a mélangées, il en a pris une, il a donné à la dame. Et ce soir-là, quand je suis arrivé, que j'ai fait l'appel, cette femme était presque la 4e personne de la ligne. Personne n'en savait encore rien. Et chaque fois, quand les gens viennent, je leur dis, « Je ne vous ai jamais vu auparavant, n'est-ce pas ?» Je découvre simplement. Et quand je l'ai vu venir à l'estrade, ça faisait 4 ans après la vision. Mais c'était une petite dame très attirante, elle portait un bébé, et je me suis dit, il me semble que je dois connaître cette dame. Et elle s'est approchée davantage, elle portait le petit. Et je lui ai dit, « Comment allez-vous ? » Et elle a dit, « Comment allez-vous ? » Et la vision est apparue. Et j'ai dit, « Votre nom est tel et tel. » Et j'ai dit, « Votre pasteur vous a conseillé d'amener le bébé car il est mourant. » Elle a dit, « C'est vrai, monsieur. » Et je lui ai dit, « Ce bébé a 6 mois et pèse 3 livres. » Elle a dit, « C'est vrai. » Et j'ai dit, « Ce que vous donnez au bébé, ce que vous parvenez à lui faire avaler, ne reste pas là. Et les médecins n'arrivent pas à découvrir ce que c'est. » Elle a dit, « C'est vrai, monsieur. » Et j'ai vu le petit bébé en train de rire, de sauter, de jouer, un petit enfant. Et j'ai dit, « Ainsi dit le Seigneur. » Le Seigneur a guéri votre bébé. Elle a éclaté en sanglots. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'étrange au sujet de cette femme. Et le Saint-Esprit m'a parlé en disant, ne te souviens-tu pas d'elle, le veston brun? Oh, c'était là. Le changement de ministère, là même. J'ai cherché ma femme, je ne pouvais pas la voir dans cette grande foule. J'ai cherché Billy Paul, je ne pouvais pas le voir. Jean Leo, je ne voyais personne à qui en parler. Ainsi, ce soir-là, quand je me suis sorti de la réunion, cela a commencé là même. Je pouvais avoir la vision, en finir avec, continuer et prier pour toute une ligne de gens. Et ensuite, peut-être qu'une autre apparaissait juste là où le Seigneur semblait conduire. Et cela a changé là même à l'estrade à cette minute-là. Et maintenant, j'ai un moyen. C'est juste comme je me dispose à avoir une vision. Je peux en sortir aussi facilement que je peux y entrer. Ainsi donc, je peux donc prier pour des lignes de prière entières de gens sans avoir besoin d'avoir cela. Et alors, si le Seigneur voit du péché dans la vie de quelqu'un ou quelque chose comme cela qui devrait être dénoncé ou quelqu'un dont la foi est très faible ou quelque chose comme ça, alors il arrêtera cette personne pour lui dire telle et telle chose et ainsi de suite. Et je continue directement, j'en ressors immédiatement, puis je continue directement. Et je peux ainsi rester debout dans la ligne de prière. Je suis reconnaissant à Dieu pour cela. Et cela a certainement eu un impact pour mon ministère en Amérique. Et puis, les visions continuent malgré tout de la même manière. Voyez-vous la souveraineté de Dieu? La manière dont il désire répondre à la requête des gens. Comme le frère Oral Roberts l'a souvent exprimé, Dieu est un bon Dieu. C'est vrai. Il se peut que cet homme soit ici, juste un instant. Je prends plus de temps. Je ne vais pas prêcher, je vais simplement appeler la ligne de prière dans un instant. J'ai de bons amis, beaucoup, des centaines de bons amis en Californie. Il y a un petit homme là, et sa femme, c'est un grand ami à moi, il s'agit de Minor Hagenbright, et de sa femme. Ce sont vraiment de gentilles personnes. J'ai regardé partout pour voir s'il était là, avant de dire cela. Je ne pense pas qu'il soit ici, ainsi je peux dire cela. Sa maison a toujours été ma maison. J'y suis le bienvenu au possible. Et nous avons été outre-mer ensemble, et même dans les montagnes, je le trouve un homme bien. Je restais chez lui quand j'étais ici en Californie, il y a environ quelques mois. J'étais à l'Angelus Temple ce soir-là. Et le lendemain matin,
Je pense que j'étais à l'église de frère Vic et j'y ai passé juste une petite soirée, une réunion éclair ici, sur la côte ouest. Et le téléphone sonnait, et bien sûr, voici ce qu'il en est, les amis. Les gens téléphonent pour des entretiens privés. D'habitude, dans les réunions, nous prévoyons un temps pour les gens qui ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à résoudre. Ils viennent et nous prions. Alors le Seigneur montre une vision. Ils ne me disent pas ce qu'ils ont comme problème, mais le Seigneur le révèle et leur donne la solution. C'est la raison d'être de ces dons. Ainsi, dans les réunions, nous réservons d'habitude du temps pour cela, pour traiter ces cas-là. Mais cette fois-ci, je me hâtais et je m'empressais. Il ne nous est pas possible de sortir et de faire des visites privées parce que ce n'est pas convenable l'un vis-à-vis de l'autre. Et puis, ils refusent de les apporter à l'église et tout, vous savez. Et certaines personnes se disent, eh bien, que comme nous sommes de foi pentecôtistes, cela polluerait leur prestige que de les apporter dans une église pentecôtiste. S'ils ont de tels sentiments, le Seigneur le leur dira de toute façon quand je serai là. Vous devez vous humilier et être disposé à venir partout où se trouve Dieu pour le rencontrer. Il y aura beaucoup de pentecôtistes au ciel. Vous feriez donc mieux de commencer à vous associer à eux maintenant même. Ainsi donc, quand le téléphone a sonné, il s'était fait que frère Hagenbright était sorti de la maison, de sa chambre, et je l'ai décroché et j'ai répondu. L'une des plus douces voix s'est fait entendre au téléphone, disant, « Monsieur Hagenbright, j'ai dit, il n'est pas ici maintenant. Pouvez-vous me dire si frère Branham séjourne ici? » J'ai dit, « C'est moi, frère Branham. » Il a dit, « Grâce soit rendue à Dieu. » Je me suis dit, « Eh bien, qu'est-ce qui se passe ?» Il a dit, « Frère Branham, il m'a dit son nom. » Et il a dit, j'ai un petit garçon qui est en train de mourir. Il est rongé par le cancer. Je crois qu'il avait 3 ou 4 mois. Il n'a jamais avalé une bouchée de nourriture, ni de lait, ni quoi que ce soit. Le cancer l'a vraiment rongé. Voudriez-vous venir prier pour lui? Il a ajouté, le Seigneur m'a parlé il y a juste quelques jours, et il a dit, va trouver frère Branham. Et j'ai dit, il est missionnaire au Mexique, mais il vit ici, à la Crescenta. Et il a continué, le Seigneur m'a dit d'aller vous chercher, mais j'ai appris que vous étiez mort très récemment en Afrique du Sud. Et il a dit, je me suis dit, pourquoi le Seigneur me dirait-il de vous chercher alors que vous n'étiez plus, que vous étiez déjà mort? Et puis j'ai appris que vous étiez juste ici à la Crescenta. Il a dit, ça doit être le Seigneur. Comme il a dit cela, le Seigneur m'a parlé en disant, va avec lui. Et j'ai dit, un instant, je vais appeler frère Hagenbright pour chercher à savoir où se trouve cet hôpital. Los Angeles est tellement vaste, il me faut quelqu'un pour me conduire. Je n'arrive pas à me retrouver ici. Et avec ces autoroutes où il n'y a rien que les pressés et les morts, et ceux qui meurent, meurent vite, ils vont à une telle vitesse. Je ne suis qu'un vieil homme lent du sud, et je n'arrive pas à m'écarter assez vite du chemin. Je pensais... Grâce soit rendue à Dieu. Écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Préparez-vous. À ce propos, au sujet de cette déclaration, je vais vous donner le nom de ce prédicateur juste un instant. Frère Hagenbright m'a conduit jusqu'à l'hôpital, l'hôpital pédiatrique d'ici. J'ai vu beaucoup de scènes tristes, mais je ne crois pas avoir déjà vu quelque chose de ce genre-là. Cela m'a beaucoup touché. Quand je l'ai rencontré, il se peut que cet homme soit ici même, peut-être en train de m'écouter. Et il m'a téléphoné il y a quelques instants et il m'a donné le témoignage. Pas de vision, simplement quelque chose qui a dit « vas-y ».
Et quand je l'ai rencontré, c'était un Mexicain, et sa femme était une petite Suédoise, une blonde, un aimable petit couple, et elle était assise là dans son break. Et nous sommes allés, lui et moi, à l'hôpital pédiatrique pour prier pour ce petit enfant. Et quand nous sommes entrés à l'hôpital, il y avait vraiment là quelque chose de triste. Ce petit enfant avait un cancer à la gorge et aux mâchoires, et les médecins avaient fait des incisions dans ses petites mâchoires et tout autour de sa petite gorge, et ces grands fils de suture ici à l'intérieur faisaient un gonflement. On aurait dit qu'il y avait des rides, et cela avait agité ce démon de cancer au point qu'il faisait pendre la langue de ce petit enfant hors de sa bouche et l'avait noirci. Cela empêchait l'air de passer par ses narines et par sa bouche, essayant de l'étouffer à mort. Et des médecins dévoués et travaillant dur avaient fait un orifice ici dans sa gorge et avaient placé, je ne sais pas comment on appelle ça, on dirait, c'était comme un petit sifflet dans sa gorge. Et ses petits bras devaient rester éclissés et les plaques de bois ressortaient comme ceci. Il n'avait que 3 mois. Et sa petite tête était penchée en arrière, et on entendait ce petit sifflement quand le pauvre petit essayait de respirer. Et je regardais cela, et l'infirmière devait enlever ce qui coulait de ce cancer par un drain, sinon cela obstruerait cet orifice en s'écoulant. Et ce pauvre petit père s'est avancé là, il a touché la tête en disant, « Ricky, le petit bébé de papa, le petit ami de papa, c'est papa, j'ai amené frère Branham pour qu'il prie pour toi. » Un petit bébé de 3 mois, et j'ai vu les larmes dans ses yeux alors qu'il tapotait ce petit être à la tête et celui-ci a reconnu son père. Et il s'est mis à siffler très fort, respirant comme cela, et ses petites mains étaient tendues. Je vous assure, mon ami, quelque chose m'a quitté. J'ai vu beaucoup de choses. Et j'ai aussi des enfants, et un petit enfant souffrait. Je me suis détourné, il essayait de le calmer en disant, « Le petit garçon de papa, le petit garçon de papa. » Et j'ai détourné ma tête comme ceci, et j'ai pensé, « Seigneur Jésus, je sais que ce n'est pas ta volonté qu'un innocent petit bébé souffre comme cela. Je ne peux tout simplement pas croire que cela soit ta volonté. Et qu'aurais-tu fait si tu te tenais ici? Quelle attitude aurais-tu adoptée? J'espère que je ne suis pas un fanatique et que je ne représente pas mal quelque chose. Dieu sait si je le suis ou pas. Quelque chose m'a dit, pas une voix, mais quelque chose au-dedans de moi m'a dit, j'attends de voir ce que tu vas faire. Et je me suis retourné comme si cela avait parlé de vive voix. Et j'ai pensé, c'est vrai, tu as commissionné ton église pour continuer ton œuvre. Ainsi, j'ai étendu la main, j'ai saisi sa petite main qui était dans ses églises, j'ai tenu ses petits doigts comme ceci et j'ai dit, Père Céleste, ceci est si touchant que je ne peux plus le supporter. Et écoute ma prière, ô Dieu, et par la commission de Dieu qui m'a été donnée par un ange, je condamne ce démon de cancer que les médecins combattent si durement pour sauver la vie de ce bébé. Je place entre ce cancer et la vie de cet enfant le sang de Jésus-Christ. Et je suis parti, et le père le tapotait à la tête, et je suis sorti, et je n'ai plus rien dit. J'ai traversé la rue, j'ai dit, ne t'inquiète plus pour cet enfant. Le père m'a téléphoné cet après-midi, et juste dans l'espace de quelques heures, le gonflement du bébé disparaissait, sa langue était rentrée dans la bouche tout normalement. Le matin suivant, l'enfant a avalé la première bouchée de sa vie. Le bébé est à présent à la maison en parfaite santé et rétabli de toutes ces puissances démoniaques qui l'ont quitté.
Le nom de cet homme, c'est Révérend D majuscule UPONTSTA. Son numéro de téléphone, c'est CH Churchill 92658 à La Crescenta. Le petit Ricky est vivant ce soir. Il est âgé de 9 mois. Il continue à jouir d'une bonne et parfaite santé parce que Jésus-Christ vit. Comme notre Seigneur est merveilleux. Je crois que je vais téléphoner à ce frère demain, si cela ne dérange pas. Et l'un de ces soirs, je lui demanderai d'amener le petit Ricky ici. Voudriez-vous le voir et l'entendre témoigner de la même chose? Si ce ministre est ici, présent en ce moment, le ministre dont j'ai lu le nom, voudriez-vous lever la main, monsieur? L'homme est présent et il est assis ici maintenant. Mettez-vous debout. Vous n'avez pas Ricky avec vous, n'est-ce pas? Voudriez-vous l'amener un soir pour que nous donnions son témoignage? Grâce soit rendue au Seigneur pour cela. C'est bien. Donnons-moi Dieu une grande louange en disant « Gloire à Dieu ». Maintenant, prions. Seigneur, la Bible dit que l'homme se tenait là présent ainsi, il ne pouvait rien dire contre. Par la grâce de Dieu, tu as sauvé la vie du petit Ricky. Et nous sommes très heureux de le savoir ce soir. Et nous prions, Seigneur, que son petit témoignage amène littéralement des centaines de gens à être sauvés. Et nous le réclamons, Seigneur, comme un trophée de l'Évangile. S'il y a un lendemain et que son cher Père vieillissent au point de ne plus être capable de prêcher, que le petit Ricky prenne l'épée et continue, Seigneur. Puisse-t-il vivre assez longtemps pour voir le jour où son papa prendra l'épée de la parole et la placera dans la main de Ricky et où toi, tu lui donneras l'esprit. Puisse-t-il prêcher avec les grandes richesses de Jésus-Christ pour l'âge dans lequel il vivra. Accorde ce soir, Seigneur Dieu, aux gens de savoir que le même Dieu qui a sauvé ce petit Ricky est ici et il peut sauver tous ceux qui souffrent dans ce bâtiment ce soir. Accorde-le, Seigneur, et que ton grand nom soit connu et exalté par Jésus-Christ, notre Seigneur, nous le demandons. Amen. Nous allons maintenant appeler les cartes de prière, la série A, les cartes de prière de la série A. Alignez-vous de ce côté-ci, en commençant par le numéro 1. Carte de prière A, numéro 1, qui l'a? Es-tu sûr que c'était la série A? Carte de prière, série A, numéro 1, qui l'a? Oh, venez par ici, madame. Numéro 2. Numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8, et ainsi de suite. Alignez-vous un à un, suivant vos numéros, et que quelqu'un aille là pour les aider à s'aligner. Tous ceux qui détiennent des cartes de prière série A, alignez-vous de ce côté-ci. Nous serons heureux d'apporter de l'aide, et ceux qui, certains parmi vous, ne peuvent pas entrer dans la ligne de prière, qui détiennent ces cartes de prière, je demanderai aux huissiers de les amener devant afin que nous puissions prier pour eux. Vous tous qui n'avez pas de carte de prière et qui êtes malade et qui désirez que Jésus vous guérisse, levez la main où que vous soyez dans le bâtiment. Permettez-moi, pendant qu'ils sont en train de s'aligner, permettez-moi de vous poser une question. Et écoutez très attentivement maintenant. Dans les Écritures, dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit que Jésus-Christ est un souverain sacrificateur qui peut être touché par les sentiments de nos infirmités. Croyez-vous que c'est la vérité? Et également, dans ce même Épître aux Hébreux 13:8, il est dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Alors, s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il est le même souverain sacrificateur. Et s'il a été touché hier, lorsqu'il était ici sur la terre, par le sentiment des infirmités des gens, et s'il est assis à la droite de Dieu ce soir, un souverain sacrificateur, intercédant sur base de notre confession, et si nous touchons le même souverain sacrificateur ce soir, il agira comme il avait agi lorsqu'il était ici sur la terre, n'est-ce pas? Il y a une femme dans la Bible, et elle est arrivée à connaître Jésus après avoir entendu. La foi vient de ce qu'on entend. Elle avait une perte de sang. Et ainsi, en entendant parler de Jésus, un certain matin, disons qu'il était environ 9 heures, la mer était agitée. Je vous parle pour retenir votre attention pendant qu'on est en train d'aligner les gens dans la ligne de prière. Et ainsi, ça avait été une nuit pénible. La petite barque était ballottée, ayant à son bord quelques pêcheurs ainsi que des rameurs qui traversaient le lac. Le lac de Galilée était orageux. Et vers 9 heures du matin, les saules avaient libéré un passage et la petite barque s'avançait vers le rivage. Et les gens se mettaient à dire, « Voici venir ce prophète !» D'autres disaient, ce séducteur. Là où est Christ, il y a toujours une multitude mélangée. Il avait choisi les 12 et l'un d'eux, c'était Judas. Quand Moïse est sorti de l'Égypte, une multitude mélangée l'a suivi. Là où le surnaturel est accompli, il y a toujours eu ceux qui sont pour et contre. Et là, il y avait une petite femme sur la colline. Elle avait peut-être dépensé tout son bien, essayant de se faire soigner par des médecins pour sa perte de sang. Elle avait cette perte depuis plusieurs années. Et ainsi, elle s'est dit en elle-même, quand elle l'a vu venir, « Peu importe ce que disent les gens, je crois que cet homme est le Fils de Dieu. » Et elle s'est faufilée à travers la foule, quoique faible et anémique, en s'affaiblissant. Elle est finalement arrivée là où il était. Elle avait peut-être dû se frayer un chemin avec force, là, entre certains d'entre eux, en se faufilant. Et si jamais vous devez arriver à Christ, il vous faudra vous frayer un chemin jusqu'à lui, parce qu'il y aura toutes sortes de gens là qui vont essayer de vous en empêcher, de vous retenir. Mais elle était déterminée. Ainsi, elle s'est frayé un chemin jusqu'à ce qu'elle ait touché le bord de son vêtement. Et quand elle l'a touché, elle s'est retournée dans l'auditoire où étaient les gens et elle a pris sa place. Et Jésus, ayant senti ce toucher, s'est retourné et a demandé, « Qui m'a touché ?» Et ils ont tous nié cela. Elle a nié cela parce qu'elle avait peur. Et Pierre a voulu le reprendre et lui a dit, « Pourquoi dis-tu une telle chose? Toute la foule te touche et se presse contre toi. » Mais il a dit, « Je perçois qu'une vertu est sortie de moi. » Sa force l'avait quitté. Il s'était affaibli. Et il a regardé partout dans l'auditoire jusqu'au moment où il a trouvé où était la femme. Et il lui a révélé sa maladie et lui a dit que sa foi l'avait sauvée. Eh bien, c'est ainsi que ce souverain sacrificateur a agi autrefois lorsqu'il était ici, sur la terre. S'il est ce même souverain sacrificateur ce soir, la seule chose que vous devez faire, c'est le toucher. Et il agira de la même manière qu'il avait agi en ce temps-là, si vous le touchez, avec ce même genre de toucher. Croyez-vous cela? Il le fera certainement. Voici donc ce qui a fait cela. Eh bien, nous avons l'esprit avec mesure, et Christ l'avait sans mesure. Nous, c'est juste comme prendre une cuillère d'eau de l'océan. Lui, il avait l'océan entier.
Mais les mêmes composants chimiques qui sont dans la cuillerée se trouvent dans l'océan entier, mais pas dans les mêmes proportions. Ainsi en est-il du chrétien. Nous ne sommes rien comparé à lui. Mais nous avons une portion de son esprit en nous. Et cela agit donc comme lui, ce qui nous fait aimer les gens et essayer d'aider les gens, de faire le bien. C'est parce que cet esprit de Christ est en nous. Maintenant, quand Dieu a voulu utiliser ses dons, il a amené Jésus à l'écart et lui a dit, « Fils, quelque chose comme ceci, ton ami Lazare va tomber malade et mourir. Je vais le ressusciter par toi. Je veux que tu t'absentes et que tu restes éloigné pendant 4 jours. » Jésus n'a rien dit à ce sujet quand il est revenu et a ressuscité Lazare. Il n'a jamais dit qu'il s'était affaibli, n'est-ce pas? Et pourtant, il a ressuscité un homme qui était mort depuis 4 jours. Dieu utilisait son propre don. Mais une petite femme ayant une perle de sang l'a touchée, il a dit, « Je me suis affaibli. » Qu'est-ce que c'était? C'était une femme utilisant le don de Dieu. Voyez-vous, Jésus n'avait eu aucune vision lorsqu'elle l'a touchée, mais il a su que quelque chose était arrivé. Il a su que quelque chose s'était produit. Vous voyez, la femme tirait la puissance de Dieu au travers du Fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle il était devenu faible, pour cette petite guérison, mais pour de grands miracles que Dieu lui avait montrés. Il n'est pas devenu faible, car c'est Dieu qui utilisait son don. Ici, c'est la femme qui a utilisé son don. Voilà la différence. Maintenant, ayez foi en Dieu. Ne doutez de rien, mais croyez au Seigneur Jésus-Christ, chacun de vous. Et vous qui n'avez pas de carte de prière, regardez dans cette direction et dites, « Seigneur, je ne saurais entrer dans la ligne de prière ce soir, mais si tu me laisses simplement toucher ton vêtement et que tu laisses, et si c'est ta voix qui sort au travers de cet homme qui est là, et je sais qu'il ne me connaît pas, si c'est toi, Seigneur, alors accorde qu'il se retourne et me révèle ma maladie. Et alors, voyez s'il n'est pas le même souverain sacrificateur. » Maintenant, tout le long de la ligne, nous ne sommes pas en train de jouer ou de prêcher ou de parler au sujet des visions. Chacun de vous doit se rappeler ceci. L'ange du Seigneur, lorsqu'il m'avait rencontré au début, la vision, ce n'était pas pour guérir les gens. Il avait dit que je suis né pour prier les malades. Si tu peux les amener à te croire et si tu es sincère quand tu pries, rien ne résistera à la prière. Combien ont lu cela ou entendu cela? La commission, c'est de prier pour les malades. Je n'ai jamais apprécié cette vieille ligne de prière rapide, vous imposez tout simplement les mains et vous passez rapidement. Ce n'est pas ça, prier pour les gens. Priez pour les gens. Maintenant. Et alors, si l'onction du Saint-Esprit est ici, et si nous prions et demandons à Dieu, et qu'alors nous vous imposons les mains et que nous prions pour vous au fur et à mesure, croyez-vous que vous serez guéri? Croyez-vous, vous tous qui êtes dans la ligne de prière? Levez la main si vous êtes disposé à l'accepter. C'est juste comme ce qui est arrivé au petit Ricky. Comment ce petit gars pouvait-il savoir quelque chose d'une vision? Son père n'a même point demandé de vision. Il n'a rien demandé. Je ne lui ai rien dit du tout. Je suis simplement allé et j'ai imposé les mains à Ricky. N'est-ce pas vrai, frère? C'est vrai. Et Ricky a été guéri. Parce que Jésus-Christ a honoré la foi du Père dans la prière et que nous allions offrir, et il a guéri le petit garçon et lui a rendu vivant. Grâce soit rendue à Dieu pour cela. Très bien. Maintenant, si tu veux bien te tenir là, Billy, et aider les gens à se lever, s'ils sont trop infirmes pour monter ici et qu'ils ont une carte de prière, nous allons les installer ici pour que je puisse venir prier pour eux. Je veux pas que quelqu'un soit pressé maintenant. Nous sommes au service du Seigneur. Et cela rend la chose difficile des fois quand je me mets à prier pour les malades dans des auditoriums et ailleurs. On m'invite tout simplement sur l'estrade pour prêcher. Et si je laisse partir les gens sous le coup de minuit, ils pensent qu'on les a trompés. Mais quand j'arrive ici en Californie, si je ne me trompe pas, vous rentrez chez vous à 20h30. Patientez donc un petit peu, tout simplement. Paul a prêché le même évangile pendant toute la nuit. Quelqu'un est tombé là, du haut d'une fenêtre de l'étage, il s'est tué, et Paul s'est couché sur lui, et l'homme est revenu à la vie. Beaucoup s'asseyent et suivent des spectacles jusque bien tard. Et nous allons à des soirées dansantes et à des fêtes, et nous y restons toute la nuit. Mais si le prédicateur dépasse 20 minutes, je ne reviendrai plus là. Voyez-vous, notre cœur n'est pas en ordre avec Dieu. Notre âme se nourrit de quelque chose d'autre en dehors de la parole de Dieu.
Maintenant, pour commencer, voici une dame. Maintenant, avant que je commence la ligne de prière, disons simplement ceci. Maintenant, si vous avez du péché dans votre vie, tout au long de la ligne de prière, la raison pour laquelle j'ai toujours passé chaque personne au peigne fin, c'est parce que n'importe qui sait qu'on peut utiliser un don et se créer des ennuis avec ça, nous en sommes tous conscients. Moïse a fait exactement ce que Dieu lui avait dit de ne pas faire, mais il l'a fait quand même. Dieu lui avait dit, là, de parler au rocher, mais il a frappé le rocher. Et il a eu des ennuis avec Dieu. Je ne peux jamais croire que c'était la nature du Saint-Esprit quand ses enfants taquinaient ce jeune prophète à cause de sa calvitie, Élie, en disant, « vieux chauve, pourquoi ne t'es pas monté ?» Il s'est retourné, il a maudit ses petits-enfants au nom de l'Éternel, et deux ours femelles ont tué 42 petits-enfants innocents. N'est-ce pas vrai? Ça ne semble pas être la nature du Saint-Esprit, mais c'était un prophète en colère. Vous devez faire attention. Par conséquent, que se passerait-il si Dieu laissait le diable placer une maladie sur vous pour vous ramener à la discipline, et puis qu'un don vienne, déverser de l'huile sur vous et chasse cette chose, il aurait alors des ennuis avec Dieu? Voyez, ainsi, souvenez-vous, si vous avez un péché non confessé dans cette ligne, retirez-vous, car cela vous rendra pire que lorsque vous êtes venu, voyez-vous. Je renvoie juste ça entre vos mains, voyez-vous, ça dépend de vous. Si vous venez à l'estrade sans cela, parce que je ne vais pas rechercher des visions, je vais prier tel que vous avez tous voulu que je le fasse. Est-ce que c'est ça que l'Église désire, qu'on prie et qu'on impose les mains aux malades? Puis plus tard, au courant de la semaine, si vous voulez retourner à l'autre type de ligne de prière, c'est en ordre. Il est toujours là. Combien savent que j'ai rencontré des gens dans la rue, en public, avec des visions se produisant et m'ont entendu dire ces choses? Levez les mains partout dans le bâtiment, bien sûr. Ce n'est pas seulement dans l'église, c'est à la maison, dans la rue, partout. Si je descends dans la rue et que le Seigneur me dit, ne va pas là, tourne à un autre coin, un homme en costume bleu sera là en train de pleurer, sa femme mettait l'article de la mort, va lui imposer les mains. Je dirai aux gens dans la voiture, il y aura là un homme en costume bleu, sa femme étendue, là, dans son lit. Et quand tu entreras, il y aura une certaine photo suspendue là au mur. Voyez, c'est parfait chaque fois. Ça arrive n'importe où. Maintenant, afin que vous voyez que le Saint-Esprit est ici, cette femme est étrangère, n'est-ce pas vrai, madame? Nous ne nous connaissons pas l'un l'autre, mais Dieu nous connaît tous les deux. Maintenant, j'aimerais vraiment votre attention. Si le Saint-Esprit me révèle pourquoi vous vous tenez ici, croirez-vous que c'est Dieu? Vous le ferez. Combien dans l'auditoire croiront? Et vous autres, vous n'avez même pas besoin de demander une vision. Croyez tout simplement de toute manière. Maintenant, ayez simplement foi. Maintenant, la dame, nous sommes probablement nés à des années de différence, à des kilomètres de distance, et je ne l'ai jamais eu avant. Et je pense que ceci est la première fois que nous nous voyons et nous nous occupons de son cas. Mais le Seigneur Jésus peut vous dire quelque chose, je ne sais pas ce qu'il pourrait dire, mais quelque chose dont vous êtes sûr que j'ignore, quelque chose que vous avez fait ou quelque chose que vous comptez faire, ou une maladie ou un problème que vous avez. S'il me révèle cela, vous saurez que cela doit venir par une certaine puissance. Voulez-vous être comme l'Église moderne du temps de Jésus en disant que c'était Belzébul, ou voulez-vous être comme la femme au puits qui a dit, « Je perçois que tu es un prophète. Nous savons que quand le Messie viendra, il nous révélera ces choses. » Croyez-vous que c'est le Seigneur? Parce que c'est sa promesse. Cette femme semble être une chrétienne, car son esprit se sent le bienvenu. Si l'auditoire entend encore ma voix, là, entre cette femme et moi, il y a une lumière qui vient. Il va y avoir une vision. La femme attend une opération. C'est vrai. Croyez-vous que Dieu peut me dire quelle sorte d'opération? C'est une opération des calculs biliaires, c'est vrai. C'est juste. Et vous êtes contente, vous étiez heureuse de quelque chose quand vous êtes avancée ici. Vous étiez heureuse parce que vous avez été appelée dans la ligne de prière ce soir, c'est vrai. Car vous avez prié cet après-midi avant de venir ici que ceci soit votre soir, que vous seriez appelée. Bien, vous savez, je n'étais pas dans la chambre avec vous. Laissez-moi vous dire la raison. Ceci est la dernière soirée où vous pouvez venir. Vous n'auriez pas pu revenir, c'est vrai. Ça vous embarrasserait si je vous dis pourquoi? C'est à cause du billet de bus, c'est vrai. Vous n'aurez plus à revenir. Jésus-Christ vous guérit. Maintenant, rentrez chez vous. Et que le Seigneur accorde à notre sœur sa requête. Que Dieu vous bénisse, sœur. Croyez-vous au Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Maintenant, soyez respectueux, nous allons prier. Je n'ai pas besoin de connaître votre problème. Je veux seulement que vous veniez
et que je prie pour vous. Seigneur bien-aimé, guéris notre sœur et rétablis-la de tout ce qui ne va pas. Dans la présence du Saint-Esprit, je lui impose les mains au nom de Jésus. Amen. Maintenant, allez-vous en vous réjouissant, rendant grâce au Seigneur. Frère, croyez-vous que le Seigneur va vous guérir? N'est-ce pas merveilleux? Pas la moindre trace de vision. Voyez, tout ça est complètement passé à présent. C'est passé. Combien savent que je ne pouvais pas faire cela avant? Levez la main. Certainement pas. Pas un seul signe de vision. Je prie que Dieu guérisse mon frère alors que je lui impose les mains, sachant qu'il se tient dans la présence de Dieu, non pas de son frère, mais dans la présence de Dieu. Je demande sa guérison au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu bien-aimé, j'impose les mains à mon frère et je te prie de guérir son corps et de le rétablir au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, réjouissez-vous, tout le monde, que vous partirez d'ici. Si vous êtes guéri, comportez-vous comme étant guéri. Si vous croyez cela, comportez-vous comme étant guéri. Dites, je te remercie, Seigneur, c'est une œuvre achevée, c'est accompli. Vous dites, c'était juste cette personne, il n'y avait que cette personne-là. Non, ce n'est pas ça. Très bien. Est-ce que c'est la dame? Très bien, madame. Vous et moi, nous sommes étrangers, n'est-ce pas? Très bien. Vous m'avez déjà vu, mais moi, je ne vous connais pas. Je n'ai aucune idée de qui vous êtes, ni ce que vous faites ici, n'est-ce pas? Croyez-vous que Jésus-Christ peut me dire votre problème? La première chose que j'aimerais dire, vous avez été guéri avant. C'est vrai. Vous êtes une femme ministre, et maintenant vous souffrez d'une faiblesse, de nervosité, des troubles féminins et des complications. Si c'est vrai, levez la main. Comme vous avez été guéri la fois passée, ainsi vous êtes guéri maintenant. Quittez l'estrade et soyez rétabli au nom du Seigneur Jésus. Venez, sœur. Seigneur Dieu, notre Père céleste, je te prie de bénir cette chère âme et de la guérir, comme je lui impose mes mains dignes au nom de ton Saint-Fils Jésus. Amen. Allez en croyant, comme ce papa l'a fait pour ce petit Ricky, et vous serez guéri. Croyez-vous? Croyez-vous que je suis son serviteur? Croyez-vous que Dieu peut me révéler votre problème? Il s'agit de la nervosité. Croyez-vous de tout votre cœur qu'il va vous guérir? Très bien, monsieur. Alors vous pouvez retourner chez vous, dans l'Oregon, et être guéri. C'est vrai. Continuez votre route et réjouissez-vous. Père céleste, je te prie de bénir cette chère femme et la guérir au nom de Jésus. Amen. Dieu bien-aimé, je prie pour cette jeune femme afin que tu la guérisses au nom de Jésus. Que Dieu bénisse notre frère et comme je lui impose les mains, je réclame sa guérison au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et vous là-bas, vous croyez? Tout le monde qui a la faveur de Dieu maintenant, ils ont la faveur en croyant. Ne doutez pas, mais croyez de tout votre cœur. Maintenant, restez juste sur vos sièges, soyez respectueux. Combien n'ont pas de cartes de prière et voudraient que Dieu vous guérisse? Levez la main. Continuez simplement à prier. Croyez-vous, madame? Croyez-vous que Dieu peut me révéler votre problème? Si je vous disais votre problème, cela vous aiderait-il à vous sentir mieux? Juste un petit moment avec cette femme, afin que le vôtre soit convaincu que l'Esprit de Dieu est ici, en train de faire ces choses. Cette femme a une affection de côlon. C'est vrai. Vous avez une opération, n'est-ce pas? Si Dieu me révèle qui vous êtes, me croirez-vous? Très bien, Miss Snyder, rentrez chez vous et soyez guérie au nom du Seigneur Jésus. Ayez foi en Dieu maintenant. Ne doutez pas. Ne vous précipitez pas. Croyez que Dieu est ici. Seigneur, je te prie de guérir cette femme et de la rétablir au nom de Jésus. Accorde-le, Seigneur. Venez, frère. Oh Seigneur, je te prie de le guérir et de le rétablir au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? J'impose les mains à ma sœur ici présente au nom de Jésus-Christ pour sa guérison. C'est très bien, frère. Cher Dieu, je prie pour notre frère, afin que tu lui donnes le désir de son cœur. Rétablis-le au nom de Jésus. Amen. Voulez-vous venir, sœur? Seigneur, je te prie de guérir notre sœur et de la rétablir au nom de Jésus-Christ. Avancez, sœur. Ayez foi maintenant, que tout le monde soit en prière. Seigneur, je prie pour notre sœur afin que tu la rétablisses au nom de Jésus.
Venez en croyant. Seigneur, je te prie de guérir notre sœur et de la rétablir au nom de Jésus. Amen. Croyez-vous que Dieu va la guérir? Seigneur, je lui impose les mains et réclame sa guérison au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse notre frère et le rétablisse au nom de Jésus. Croyez-vous? Voyez-vous? Comprenez cela, les amis. Vous voyez pourquoi mon ministère, frère David, vous comprenez cela? Si ces gens comprenaient cela, ils se réjouiraient quand on leur impose les mains autant que s'il y avait la vision. La vision n'a rien à voir avec cela. Ces autres gens, si je ne pensais pas que les gens comprendraient, voyez-vous, je les arrêterais. Voyez-vous, c'est vraiment difficile pour que vous changiez. Je crois que si je voyais le Seigneur et que j'étais malade et que je venais à l'estrade et que je voyais la présence du Seigneur comme cela, quelqu'un qui prierait pour moi selon les Écritures, je dirais « Merci Seigneur, Amen, c'est terminé, ce serait tout. Je sortirais d'ici en me réjouissant, heureux autant que possible. Oh, comme c'est glorieux !» Vous parlez anglais? Croyez-vous que je suis son serviteur? Si Dieu me révèle votre problème, allez-vous croire que je suis son serviteur? Cette dame de couleur qui est assise juste là au fond, qui a de l'hypertension en train de me regarder, croyez-vous, sœur, que le Seigneur Jésus va vous guérir? Vous n'avez pas de carte de prière, n'est-ce pas? Vous avez une carte de prière? Non. Vous n'en avez pas besoin. Votre foi vous a guéri. Voyez-vous ce que c'était? Voyez, cette dame, j'ai vu une autre dame qui se tenait ici, et cette dame peut être une Espagnole. Et une dame de couleur apparaissait ici constamment. C'est une femme de plus forte corpulence. Et je continuais à la voir avec cette chose sur le bras. Et je me suis retourné pour voir où c'était. Et je me suis dit, et j'ai vu cet ange de lumière se tenant juste au-dessus de la femme. Qu'est-ce qu'elle a touché? Qu'a-t-elle touché? Je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Elle est assise là sans carte de prière pour être appelée dans la ligne. Mais elle priait. Si c'est vrai, faites signe, madame. Si c'est juste, faites signe de la main. Voyez-vous? Croyez, ayez foi. Ici, cela a déclenché une chaîne. Voici une autre femme de couleur qui est assise juste ici devant moi, au bout de la rangée. Juste ici, elle est aussi en train de prier. Oui, madame. Croyez-vous que cette gastrite est terminée et que ce problème de cœur est fini? Vous aviez un problème de cœur et d'estomac. Si c'est vrai, faites signe de la main. Vous priez aussi. Vous êtes guéri. Avez-vous une carte de prière? Vous n'avez pas de carte de prière. Non, vous n'en avez pas besoin. Votre foi vous guérit. Maintenant, demandez à la dame, la femme qui venait d'être guérie tout à l'heure. Vous n'avez pas de carte de prière, n'est-ce pas, madame? Vous n'avez pas de carte de prière. Non, vous étiez juste assise là en train de prier. Seigneur, que ce soit moi. Vous y êtes? Vous voilà. Et elle est guérie. Qu'a-t-elle touché? Le souverain sacrificateur. Béni soit le nom du Seigneur. Pour ceux qui croiront. Maintenant, prenons cette petite femme ici et puis laissons les autres personnes passer directement. En effet, vous sentez que l'effet devient trop grand maintenant. Cela commence tout simplement à avancer. La petite dame ici, en train de me regarder, celle qui a la main sur le visage là et qui souffre de la bronchite, si elle pouvait croire. Vous avez une carte de prière, madame? Vous n'êtes pas dans la ligne de prière. Levez-vous si vous n'êtes pas dans la ligne de prière. Levez-vous. Vous avez la bronchite, n'est-ce pas? Très bien. Rentrez chez vous et croyez maintenant, Jésus-Christ vous guérit. Touchez le bord de son vêtement. La femme ne m'a jamais touché. Aucune de ces personnes ne m'a touché. Qu'est-ce qu'elles ont touché? Elles ont touché le souverain sacrificateur Jésus-Christ. Et il agit juste comme il l'a fait à l'époque, juste par les canaux dans son église. Sa foi entre dans les gens, il regarde par ici, alors il parle, il utilise ma voix. Je ne suis pas en mesure de vous dire ce que j'ai dit. Je ne sais pas, je n'ai aucun moyen de le savoir, si ce n'est par les bandes et ces choses. Mais c'est Jésus, le Fils de Dieu, prouvant que sa venue est proche.
Elle est proche maintenant. Les gens doivent se mettre en ordre avec Dieu. Brisez les murs de séparation. Mettez-vous en ordre et croyez en Dieu. Notre temps s'écoule rapidement. Maintenant, si cette petite dame ici, étant donné que je viens de la donner en spectacle du fait qu'elle se tient debout et de toute façon, j'allais lui parler. Si je ne vous avais pas dit quelque chose de plus, vous croiriez de toute façon, n'est-ce pas? Très bien. Mais étant donné que cette dame de couleur, une Éthiopienne, est apparue avant vous ici, une femme espagnole, que sa foi a attiré cela dans cette direction, je vais vous parler un instant afin que ça puisse aider. Les hispanophones, il y a eu les anglo-saxons, maintenant vous êtes une espagnole et cela a probablement amené toute cette église ici ce soir à croire. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Nous sommes étrangers. Est-ce vrai? Si c'est le cas, levez la main. C'est pour vous, les hispanophones. C'est pour vous, les Éthiopiens et les autres. C'est pour les anglo-saxons, ceux-ci, les blancs. Dieu ne fait exception d'aucune race et d'aucun peuple. Non, monsieur. Nous sommes tous nés d'un seul sang. Si nous sommes blancs, noirs, jaunes, bruns, nous pouvons nous donner l'un à l'autre du sang par transfusion parce que nous venons d'un seul sang, c'est vrai. Les pays où nous vivons, la différence de couleur n'a rien à voir avec notre sang, notre vie et notre Créateur. Mais afin que vous voyez que Dieu ne fait exception de personne, ni de nation, ni nationalité, ni de couleur, vous attendez une opération. Et ce sera plus qu'une opération. Vous êtes enceinte. Et maintenant, la raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est parce que quelqu'un pourrait penser que c'était une tumeur. Ce n'est pas une. Mais il vous faudra aussi subir une autre opération à cause d'une hernie. N'est-ce pas vrai? Et vous allez mettre un enfant au monde, il faudra que ça se passe par césarienne. Est-ce vrai? Levez la main. Allez, Dieu va vous bénir. Tout ira très bien. Que Dieu bénisse notre sœur. Croyez-vous de tout votre cœur maintenant? Maintenant, soyez simplement dans la prière alors que nous prions pour les autres personnes. Père bien-aimé, je te prie de guérir cette femme et de la laisser revenir à cette église en se réjouissant. Oh Dieu, je prie pour cette femme et ce petit garçon, comme je leur impose les mains et te demande de les guérir au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse tous les deux. Oh Dieu, je prie pour cette petite dame, afin que tu la guérisses et que tu la délivres de toutes ces crises et puisse-t-elle ne jamais en avoir encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Dieu, bénis notre frère. Je te prie de le guérir et de le rétablir au nom de Jésus-Christ. C'est ça, frère. Je prie pour notre frère et je te demande de le rétablir, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Venez, monsieur. Je prie pour vous, mon frère bien-aimé. En vous imposant les mains selon la parole de Dieu, je demande votre guérison au nom de Jésus. Je prie pour vous, mon frère. En vous imposant les mains par l'onction du Saint-Esprit qui est tout près maintenant, je demande votre guérison au nom de Jésus. J'impose mes mains sur mon frère que voici et je demande au nom de Jésus-Christ qu'il soit guéri. Je prie pour vous, ma sœur, et je vous impose les mains et demande au nom de Jésus que vous soyez guéris. Amen. Je prie pour vous, ma sœur bien-aimée, et demande au nom de Jésus-Christ que vous soyez guéris. Je prie pour vous, ma sœur, et je demande cela au nom de Jésus-Christ que vous soyez rétablis. Je prie pour vous, mon frère, et demande au nom de Jésus-Christ que vous vous rétablissiez. Je prie pour vous, mon frère, et demande au nom de Jésus-Christ que Dieu vous guérisse. Je prie pour vous, mon frère, et je demande au nom de Jésus-Christ que vous soyez guéri. Je prie pour vous, ma sœur. Je demande que Jésus vous guérisse. Amen. Je prie pour vous, ma sœur, et demande au nom de Jésus-Christ qu'il vous guérisse. Je prie pour vous, ma sœur, et je demande au nom de Jésus-Christ que vous soyez guéri. Je prie pour vous, ma sœur, et demande au nom de Jésus-Christ que vous soyez guéri. Je prie pour vous, ma sœur, et demande au nom de Jésus-Christ que vous soyez guéri. Maintenant, croyez. Je prie pour vous, ma sœur, et demande au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, que vous soyez guéri.
Est-ce que vous croyez? Par l'autorité de la Bible de Dieu, le témoignage du Saint-Esprit qui est présent en ce moment dans l'Église du Dieu vivant, qui est en train de prier maintenant avec moi pour ces gens malades, en tant qu'Église du Dieu vivant, nous ordonnons aux esprits mauvais d'incrédulité de quitter toute personne pour qu'elle soit guérie. Que cette femme soit guérie maintenant, au nom de Jésus. Amen. Je prie pour vous, ma sœur, et demande au nom du Seigneur Jésus que vous soyez guérie. Je prie pour vous, sœur, et je prie qu'au nom de Jésus-Christ, vous soyez guérie. Que Dieu vous bénisse, sœur. Je prie que le Dieu Tout-Puissant, par Jésus-Christ, son Fils, vous guérisse. Je prie pour vous, ma sœur, et je demande au nom de Jésus-Christ que vous soyez guérie. Je prie pour vous, ma sœur, et je demande au nom de Jésus-Christ que vous soyez guérie. Et je pourrais m'arrêter pour m'adresser au Père de Ricky qui est là. C'était à peine une petite prière comme ça, n'est-ce pas, frère? C'était juste une petite prière. C'est parce que le Père croyait. La manière dont Dieu accomplit cela, c'était que moi, j'étais censé prier pour Ricky, voyez-vous. C'est de cette façon que vous devriez croire ce soir. Vous ne venez pas ici pour être vu. Vous êtes mourant, certains d'entre vous. Vous devez croire que Dieu va accomplir cela. C'est Dieu qui fait cela. Sœur, je prie pour vous, au nom de Jésus-Christ, que vous soyez guéris. Je prie pour vous, ma sœur, comme je vous impose les mains et demande votre guérison au nom de Jésus. Et pour vous, mon frère, je prie que Jésus-Christ vous guérisse. Et pour vous, ma sœur, je prie que Jésus-Christ vous guérisse. Maintenant, dans la présence de Dieu, devant cette assemblée, cette armée de gens, pour tous ceux pour qui on n'a pas prié et peut-être que vous ne pouvez pas revenir, vous qui êtes ici, qui êtes liés par la maladie, je prie que le Dieu du ciel vous guérisse. Si vous croyez simplement tout ce que vous avez vu et croyez que vous êtes, ce gentleman qui était étendu là sur la civière,